Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur les gars. Je vous préviens tout de suite que dans cette vidéo on va jouer que deux matchs parce que je suis un peu... j'ai tout simplement pas le temps en fait aujourd'hui, donc je me dépêche un petit peu pour tourner cette vidéo. Elle sera assez courte du coup avec deux matchs, hein. Elle fera peut-être entre 10 minutes et un quart d'heure. Ça changera un petit peu d'habitude parce que depuis FIFA 18 on enchaîne que des vidéos à plus d'une demi-heure. Donc voilà, ce sera une vidéo un petit peu plus courte. Dans l'épisode précédent, on était plutôt chaud, on avait marqué pas mal de buts, même si pour l'instant on n'est que deuxième avec seulement 3 points, ça va de retard sur Sampats. Donc on va essayer de, pourquoi pas dans cet épisode, les rattraper. On va essayer aussi de réussir tous nos objectifs, hein, bien évidemment, et de faire bien progresser notre pro. Il y a aussi quelqu'un qui me disait dans les commentaires, ouais, peut-être que jouer 33 matchs dans cette division, ça risque d'être un peu long et un peu lassant. Je suis assez d'accord avec lui parce qu'on surtout qu'on va jouer souvent les mêmes équipes. Il m'a proposé, pourquoi pas, partir dès le mercato hivernal. Je sais pas trop encore. D'un côté, il y a des pour et il y a des contre. Moi, j'aimerais bien quand même gagner le championnat avec cette équipe avant de la laisser filer. Enfin, de partir, quoi, tout simplement. Et du coup, je sais pas trop encore. Clairement, je sais pas trop, mais pour l'instant, on va jouer. On va se concentrer, on va essayer de remporter ce match face à Shamrock Rovers. Et puis voilà, on va essayer de mettre plein de buts aussi. Mettre plus à la réception du ballon. Voilà, comme ça. Oh, ça peut faire une passe D. Oh là là, dommage, là, ma frappe ratée. Ouais, mon mauvais tir, il aurait pu faire une passe décisive. Ça, je sais pas si ça me l'aurait compté en tout cas, mais dommage. Bon, c'est la mi-temps les mecs, un match vraiment laborieux, un match vraiment pourri, on va pas se le cacher. Il se passe pas grand chose, il se passe même quasiment rien, je sais, ouais, on a dû peut-être frapper une ou deux fois au but eux aussi, mais sans vraiment de frappes dangereuses, dans des frappes toutes claquées. On peut regarder ça, voilà, 4 tirs pour nous, 1 pour eux, mais vraiment match très très ennuyant, aucune grosse occasion. J'espère que ça va changer dans cette deuxième période parce que sinon on va s'ennuyer et en plus ça va encore raccourcir la vidéo parce que j'ai complètement rien à vous montrer. Donc on va essayer un petit peu de se bouger le cul en deuxième et d'aller marquer les buts. En plus tu peux me la donner derrière. Allez, allez, on est rapide, on est rapide, on est rapide. Pas tant que ça mais c'est difficile, on a réussi à éliminer quand même, on va accélérer. Et merde, oh c'est passé quand même, la frappe. Oh quel but. Oh quel but magnifique, il est là. Il est là le premier but enfin. Et je pensais vraiment pas du tout que j'allais le mettre au fond. Ah, clairement pas, parce que celui-là, il est joli. Parce qu'en fait, quand je fais le crochet en essayant d'anticiper un éventuel tacle debout du défenseur, là, ici, juste avant de frapper, je me dis, merde, je vais sur le défenseur, il va me la prendre. Mais en fait, notre petit joueur, il a un super réflexe direct de repartir de l'autre côté. Et du coup au final ça élimine le défenseur. Et du coup la frappe derrière est juste splendide. Ça fait du coup 1-0. Et c'est plutôt pas mal. En plus c'est nous le buteur. Donc les mecs parfait. Parfait, 63ème minute de jeu. Enfin quelque chose à vous montrer. Quelque chose à se mettre sous la dent. Maintenant on va essayer de mettre un deuxième but. Mais sinon faut vraiment tenir le score, tenir la victoire. Donc allez les mecs, hein, pas prendre un but direct. Ce serait un peu embêtant. Attention, ça sent pas bon, ça sent pas bon, mais oui, oh là 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 là, les mecs. C'est pas possible, hein, c'est pas possible. 6 minutes après notre ouverture du score, on encaisse. Et voilà, j'ai l'impression que dès qu'on met des buts, notre défense, elle n'existe plus. Elle n'existe complètement plus, la tête est pas mal quand même, hein. Elle n'est pas très puissante, mais assez lobée. Et du coup, tout est déjà à refaire, les mecs, tout est déjà à refaire. On s'était fait chier à ouvrir le score, et ben ils égalisent tout de suite, et ça, c'est pas bon, parce que ça sent le match nul, tout ça. La difficulté là. Bien évidemment, attention. Attention, ça sent pas bon là, cette dernière occasion. Faut pas qu'il frappe. Oh, attention, c'est pas terminé. Oh là 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 là, qu'on a eu chaud là, la 85ème minute de jeu. Et les mecs, on avait presque le main au match toute la deuxième période. Il faut pas craquer dans les dernières minutes. Bon les gars, c'est terminé, un partout, je suis un peu déçu. Mais au final, voilà, c'est un peu logique. On a vraiment fait un match de merde des deux côtés. Donc forcément ça se finit par un match nul, mais je suis déçu, je pensais vraiment qu'en ouvrant le score ça allait faire le taf. Mais malheureusement notre défense a encore pêché au final, quand on regarde les stats, le match nul est tout à fait logique, même si j'aurais espéré mieux. Du coup, on va pas perdre de temps les mecs, on va passer directement au prochain match et on voit que Sympath ils ont encore gagné. Sympath ils sont chauds du cul, du coup ils prennent 5 points, clairement ils prennent 5 points d'avance, ça c'est pas cool. On va juste simuler les petits entraînements, histoire de progresser un maximum. Et après faut gagner. Après faut gagner. Bon, le seul point positif, c'est qu'on continue à rester sur nos petites stats de 1 but par match. On a 8 matchs joués pour 8 buts et 4 passes décisives, donc c'est pas dégueulasse.
Des nouvelles de Carl Shepard, il est blessé pour 3 semaines. Ouais, c'est le temps de. C'est la durée de blessure habituelle sur ce FIFA, c'est tout le temps. C'est tout le temps 3 semaines. En plus, on finit contre Saint-Pats. Oh, c'est beau, j'avais même pas vu ça. On va jouer contre Saint-Pats, donc si on veut déjà revenir à 2 points, il va falloir gagner. On va jouer en vert. J'ai l'impression que quand on joue en vert, on est meilleur. Et on est parti tout de suite. On est parti tout de suite. Là, on joue contre Saint-Pats, faut même pas se poser de questions. Il faut les allumer. Vraiment, il va falloir que je fasse un très très gros match parce que. On est quand même le meilleur joueur de cette équipe. Donc là, faut pas se poser de questions. Victoire assurée et il faut qu'on soit décisif. En plus, allez, on va accélérer. On va accélérer. On a assez de vitesse pour faire la différence. Allez, on a vu Sadlier en plus. Sadlier qui va frapper! Oh, quelle frappe de Sadlier! Oh, au début, j'ai cru que c'est moi qui allais encore récupérer le ballon, mais la frappe de Sadlier était juste magnifique. Elle tape là-bas. Allez, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Ouais, bon, à moi de frapper maintenant! Ouh, on est chaud. On est chaud. Ah, voilà, deux premières occasions déjà. Énorme occasion. La barre surtout et notre frappe plein à l'instant. Hein, on avait de l'espace, donc pourquoi pas tenter. On sait qu'on a une bonne frappe de loin. Allez, on est sur de bons rails là dans ce début de match. Il récupère après sa passe un peu foirée. Allez, Ogawa. Avec Johan. Bien joué pour McCormack. Il est passé. McCormack. Au penalty. Oh, le petit penalty. Eh oui, il laisse traîner la patte. Et du coup, on obtient un penalty dès la 13e minute de jeu. Ouh, j'ai la pression, je crois que c'est moi qui les tire. Je sais même pas si j'ai déjà tiré un penalty avec cette équipe de Cork City. Mais je crois bien que c'est moi qui vais les tirer. Et j'ai la pression parce que là on joue contre Saint-Pats. Moyen d'ouvrir le score. Ah, c'est bien moi qui vais le tirer. On a moyen d'ouvrir le score. Allez, hop, on va tirer là. On va tirer là. Oui, le contre-pied parfait. Magnifique. Et oui, je me rappelle, il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit, quand tu veux tirer d'un côté, choisis l'autre. Et t'es sûr de marquer. Bah là, pour le coup, je voulais tirer à gauche du gardien. Et je me suis dit, bah non, finalement, on va tirer à droite au dernier moment. Et ça a marché. On ouvre le score. On continue à être sur une moyenne d'un but par match. C'est parfait. Et puis, comme dit, on mène 1-0 contre Saint-Pats. Donc là, pour l'instant, le scénario est idéal. Ok, c'est bien ça avec Bolger. Pour Kewan. Voilà, on a une touche de balle. Il me fait une super passe. On la redonne à Kewan. C'est bien joué. La frappe de Kewan. Oh, quel but! Mais on est chaud! On est beaucoup trop chaud. Quelle frappe de Kewan. 2-0 après 18 minutes de jeu. C'est magnifique. C'est magnifique. On fait un super début de match contre cette équipe de Saint-Pats. Et si on arrive vraiment à leur mettre un bon score, ça va peut-être un petit peu les affaiblir pour la suite du championnat. Et pourquoi pas les voir un petit peu craquer et reprendre pour nous la tête assez facilement. En tout cas, c'est parfait. On marque, on fait une passe D, 19 minutes de jeu, 2-0, tout est parfait. Ça, c'est bien joué vers Sadlier qui a bien coupé. Allez, Sadlier, tu peux tenter un truc. La passe est bonne. Oui, ça fait 3-0, le doublé pour Kewan. Mais oui. Oh là 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 là, l'équipe est. Ah bah là, je suis content parce que l'équipe est super chaude. Alors que. On joue contre les premiers, tout simplement. On est en train de leur mettre 3-0 en une mi-temps. On est tous auprès du coach parce que là, les efforts perdent. À mon avis, on a dû bien bosser à l'entraînement pour rattraper un petit peu nos erreurs. Hein, le fait qu'on perde des points un peu bêtement, là, par exemple, contre Shamrock dans le dernier match. Et là, ça peut relancer les choses. Hein. Ils avaient pris 5 points à l'avance. On leur met 3-0 dans la bouche. On peut revenir à 2 points. C'est parfait. C'est parfait. Bien joué de la part de Kewan qui va nous mettre un petit doublé. J'avoue que je suis un petit peu jaloux. J'aimerais aussi mettre un doublé hein, parce que c'est moi le buteur. Non, plus sérieusement, ça fait plaisir. 3-0. On est très très bien dans cette première mi-temps. Ok, mi-temps les mecs. On est en train juste de gagner 3-0. Oh, vous entendez les sifflets. Ouh là là, l'équipe de Saint-Pats qui est en train de se faire huer par son public. Après, c'est. Ça peut être normal parce qu'ils montrent rien du tout. Ils prennent 3-0 à la mi-temps contre un concurrent au titre. J'avoue que moi aussi je serais pas très content si j'étais leur supporter. Mais ça pique. Hein. Ça va pas les aider en tout cas de se faire huer comme ça à la mi-temps. Mais c'est tout bénef pour nous. Complètement tout bénef pour nous. Faut continuer comme sur comme la première mi-temps. Hein, sur la lancée de la première mi-temps. Et essayer de marquer encore des buts pour vraiment remporter ce match avec le plus de buts d'écart. Ça pourrait vraiment, comme je l'ai dit, mettre Saint-Pats dans le mal. Et on pourrait les voir en train de craquer. Comme ceci. Et voilà, bien joué. On récupère le ballon. Oh non, il m'a blessé. Non. Non, 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 relève-toi. Non, relève-toi. Ah, j'y crois pas. Allez, mec, je suis dégoûté. Je suis complètement dégoûté. Blessure. La première blessure de la carrière. En plus, elle a l'air vraiment. Grave, voilà. Je cherchais le mot. Elle a l'air vraiment grave. Ouais. J'avais récupéré le ballon sur un corner et derrière, je me suis fait faucher. Du coup, on va simuler la fin du match en espérant que mon équipe a gagné. Hein. Ouais, endurance plus de génial. Par contre, je suis vraiment déçu là.
Je suis vraiment déçu, j'espère que la blessure sera pas trop longue. Objectif machin, combien de temps? 4 mois! Oh là 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 là, c'est pas possible les mecs, c'est pas possible. 4 putains de mois! Oh là là là, je suis dégoûté. Je suis clairement dégoûté. Juste voir quand même si on avait gagné contre Saint-Pat, si on avait gagné 3-0. Je suis complètement dégoûté du coup. Alors 4 mois. Oh, 4 mois les mecs, non mais sérieux. 4 mois, mais c'est énorme. Ah, je vais rater les matchs avec l'Inde, je vais rater tout. Oh là 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 là. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va simuler comme ça. Alors attends. On a dit 4 mois, donc on va déjà simuler 3 mois pour voir si on reviendrait pas un peu plus tôt, voire même 2 mois. Donc là on est sur. Alors attendez, combien? On est le 15. Donc le 15 ici, ça fait 1 mois. Donc on va déjà simuler 2 mois. On va faire comme ça, on va simuler comme ça pour que ça aille un petit peu plus vite, mais en tout cas, je suis complètement dégoûté. C'est dégueulasse. 4 mois, première blessure, ils auraient pu me faire une blessure un petit peu moindre. Parce que là, clairement, 4 mois, quoi. Ça déconne pas. Hein. Tout de suite, 4 mois. Ah là 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 là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blessures dans ce FIFA quand même. Hein. On a été joueur du mois 3 fois, donc ça c'est plutôt cool. Bah, du coup, pour notre 1 but par match, hein, malheureusement, on le tiendra plus forcément. Après une blessure comme ça, est-ce qu'on est toujours blessé? Des nouvelles de Yann Koch? Eh ben, il n'est pas le seul apparemment. Bah tiens, toi aussi 4 mois, allez c'est parti, on va tous se blesser 4 mois dans l'équipe. Du coup on est passé à 71 de général, on est toujours blessé, donc je vais encore simuler un petit mois. Hop, jusqu'au 15, ouais, même jusqu'au 14, des fois qu'on reviendrait juste avant le match. Ça pourrait être sympa. Et ben voilà les mecs, pour ceux qui disaient, ouais c'est peut-être un petit peu lassant de faire tous les matchs, et ben voilà, on a déjà une blessure qui va nous faire rater je sais pas combien de matchs, beaucoup beaucoup de matchs. On fera un petit récapitulatif sur les matchs de l'équipe. Est-ce que je serais pas revenu déjà? Non, il n'y a pas moyen d'être revenu. Alan Bennett revient, bah c'est bien pour lui, mais moi je ne reviens pas, donc c'est pas cool. Non, je suis encore blessé. Donc on va simuler jusqu'à la fin du mois. On va rater énormément de choses, hein. On va déjà simuler jusqu'ici. Pouah, mais tous les matchs qu'on a ratés, les mecs, vous imaginez même pas, on a bien raté 10 à 15, voire 20 matchs. C'est énorme. C'est complètement énorme. Et je suis complètement déçu parce que là, vous imaginez 4 mois ce que c'est en progression, en entraînement et en match, ça peut faire masse d'exploits et en entraînement, ça peut faire masse d'XP pour bien monter. Et ben là, c'est 4 mois dans le cul. Et je suis toujours blessé. Ça m'inquiète. Hein, ça m'inquiète. Donc on va avancer un petit peu jusque-là. En fait, ça va être la fin de championnat quand je reviens tout simplement. C'est un petit peu ça. Hein. On est déjà à la mi-saison. Il y a des gens qui voulaient que je parte à ce moment-là. Ben là, c'est sûr qu'on va finir la saison. Parce que. Ah, je suis déçu. Parce que là, vraiment, on est tellement ralenti dans notre progression. Et moi que je suis revenu de blessure là. Toujours pas. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On revient même pas de blessure. On va simuler jusqu'ici. Là, c'était pas le quatrième mois là déjà, normalement. Je crois qu'on doit être au quatrième mois. Ça, on devrait pas tarder à revenir de blessure. Parce que là, ça commence à faire too much. Si je suis encore blessé. Ah, bientôt prêt à jouer. Voilà la bonne nouvelle. Ta réaction s'est bien déroulée. Est-ce qu'on peut déjà faire les entraînements? On peut faire les entraînements, merci. Allez, il faudrait des bonnes notes là pour rattraper ces 4 mois sans entraînement. Je suis quand même dégoûté. Voilà, au moins là, on va passer à 72 de général. Ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vraiment la déception là d'être blessé comme ça pendant 4 mois alors que tout se passait bien. Et je vois que bah, au classement, notre victoire contre Saint-Pats nous aura pas permis de repasser devant vu qu'on est à 4 points de Saint-Pats alors qu'il va rester bah, déjà plus que 13 matchs tout simplement. Non, vous avez dit 33 matchs? Bah 33 matchs, non, il reste 8 matchs en fait, il reste déjà plus que 8 matchs si c'est ça. On va faire le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais c'est bien ça, il restera déjà plus que 8 matchs. Donc normalement deux épisodes, on va déjà avancer jusqu'au prochain, quoique, bah, on va avancer pas comme ça. On va avancer tranquillement. Mais je suis complètement déçu. Complètement déçu. Enfin si, après, je l'avais dit qu'on resterait pas sur notre moyenne d'un but par match. Si, forcément, vu qu'on a joué que 9 matchs. Mais pourquoi c'est... Je viens de pas faire les... Je les ai fait les entraînements là, non? Ouais, c'est bizarre. Je crois que c'est parce que j'ai pas fait continuer là quand j'étais dans les entraînements, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, en tout cas, un petit peu déçu là de cette grosse blessure. On va faire les entraînements encore une fois juste avant le prochain match. Il faudrait des très bonnes notes là pour rattraper tout ça, comme je l'ai dit. Ouais, ça va, c'est pas trop mal, c'est pas trop trop mal. On a combien? 75 en finition. Ouais, ça va, ça passe. On fera un petit point aussi sur les exploits, à voir si y a des exploits qu'on a bientôt réussi. En tout cas, pour l'instant, pour être champion, ça risque d'être compliqué. Il va falloir gagner tous nos matchs, espérer que ça craque un petit peu du côté de Saint-Pats, parce qu'on est bon, 4 points, c'est pas énorme non plus, mais voilà, il faudra gagner.
Voyons un petit peu aussi. Ça de joueur. Ah, forcément, je suis plus le meilleur buteur. Hein, mais avec mes 9 buts, enfin 8 buts du coup, je suis pas très loin. Hein, je suis qu'à 4 buts alors que ça fait 4 mois que je suis pas là. Vous imaginez les stats que j'avais si j'avais fait, que j'aurais si. Si on avait, si on n'avait pas été blessé tout simplement, on a même 5 passes décisives pas loin du premier. Ouais, bah j'espère qu'on va marquer pas mal de buts pour essayer de les rattraper. Et voilà, je voulais faire un petit point sur les exploits. Qu'est-ce qu'on a bientôt réussi? On a bientôt un petit dribble plus inter. Oui, c'est vrai qu'on a que 69 en dribble. Ouais, c'est vraiment bon, c'est vraiment léger. Hein, c'est vraiment très très léger. But sur frappe en finesse, centre réussi, tir cadré, ok. Qu'est-ce qu'on a qui est bientôt vraiment bon? Ça, on s'en fout, mental. Bientôt, on a une petite vista plus 1. Ok, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le physique. Le physique c'est très important. On a de l'accélération plus 1 très bientôt, donc ça c'est bien. On passerait à 80 d'accélération, parce qu'on a déjà quand même 80 de vitesse. Au final, je crois que dans ce FIFA là, on va être beaucoup moins rapide. Il faudrait que je fasse des calculs en prenant toutes les accélérations, mais il me semble, ouais, je sais pas si on arrivera, ouais, peut-être si quand même à 90, j'en sais rien. Enfin bref, on va s'arrêter ici les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Aussi pour me soutenir de cette incroyable blessure qui nous a fait très très mal. Donc ça c'est la petite blague, mais c'est vrai que c'était un petit peu relou. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.